Yo, tout le monde, c'est Kev, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution. C'est parti, on va continuer l'aventure, on perd pas de temps. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai endormi un raptor parce que aujourd'hui, on va s'occuper de la mission divertissement pour incuber un ankylo, un vélo et un dilo. Sauf que je voulais pas plus de vélociraptor, j'en avais déjà 4 et j'en veux pas 5 parce que déjà, c'est galère à faire. Les Dilou, bah on rajoutera un quatrième, et l'Ankylou, faudra voir où on le met. Si on peut le mettre ici, je pense que ce sera pas mal. Alors menace, ouais, ça doit être les, ouais, ça doit être ça qui attaque. Double la voiture. Alors, attention parce que c'est vrai qu'ils attaquent ça et j'ai pas trop envie qu'ils cassent tous ces petits Stadigous. Hop, eux ils sont en train de finir ça, donc on va leur rajouter ces tâches là. Et eux c'est bon, ils sont sortis, ouais, ils retournent à la base, donc bon. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai mis une double sécurité pour les raptors vu qu'ils ont tendance à vite péter des plombs. Et c'est chiant à gérer très clairement. Et là vous voyez, on a transféré des dinosaures 3 et ça tombe bien dans la mission, il me semble qu'on en a pile 3. Non, là. Et donc c'est parti, on va la commencer. Il est temps de compter les têtes. Enfin, les têtes humaines bien vivantes. Alors on va déjà faire un corps, hein. Raptor. Sur ces îles, il vaut toujours mieux préciser. En l'occurrence, je parle du nombre de visiteurs de la fréquentation. On va faire directement un dilo, mais pas modifié. Vous en êtes? Parfait. Ok, c'est parti. Il nous faut et on va attendre pour l'ankylo. Incubez des œufs, faites-les éclore et transférez les petits dans des enclos. Ok, j'espère que, comme d'hab, ça vous plaît. Un spectacle qui se moi, je kiffe. Depuis des centaines de millions d'années. Le hic, c'est que vous risquez de ne pas y survivre. Nice. Bon, j'ai amélioré la vitesse, ouais. Voilà, un peu plus vite. Ok, alors, les deux sont prêts. On va d'abord sortir le Dilophosaur. Directement demander d'endormir. Aucun problème. On va lancer, dès que le Dilo est sorti, l'Ankylosaur. Et on verra où on peut le mettre. Si on peut le mettre dans l'enclos, dans cet enclos ici, celui-là, ça m'étonnerait. Mais on verra. Alors, ankylo, ankylo. Il est où? Ici, on va le faire jeune de base. C'est parti. On va bien attendre que lui soit endormi. Soit même récupéré par l'équipe qui s'occupe de ça. Ça, au moins, on est sûr que le raptor l'attaquera pas dans son sommeil. Comme vous avez pu le voir, bah, c'était le raptor qui avait gagné. Après, c'est peut-être sur un coup de chance. Mais bon, dans le doute. Hein. Comment attendre que ça se fasse. Transférer l'autre, du coup. On va redemander à l'unité de revenir. Voilà, demi-tour. Je vais y partir et moi, je les fais revenir comme un salaud. Quel patron ingrat. Là j'ai des petites quêtes aussi en même temps à passer, de toute façon ça se fera avec le temps. Je voulais rajouter une galerie panoramique sur les raptors mais j'ai pas de place quoi. Il y a l'abri d'urgence qui bloque, il y a les centrales électriques qui bloquent, c'est un peu la merde j'avoue. Et ici je peux pas en mettre parce que bah faudrait que je change la station vigilance. Enfin, ça après je pense. Hop, du coup le raptor on va l'envoyer ici. Donc ouais, je me suis débarrassé du vélociraptor numéro 4. Le dernier upload que j'ai fait, et là c'est Vélociraptor 5. Pareil, si vous avez des noms de dinosaures, n'hésitez pas à me les donner, je les mettrai, ça me pose aucun souci. Je pense pour les raptors, bah, on fera la Raptor Squad, hein, on les appellera Blue, Delta, Echo, Charlie. De toute façon. Mais je crois même, je pense que les raptors, on les déménagera un peu plus tard. Peut-être dans cette vidéo, ou alors je les ferai en off pour les emmener là-bas. Comme ça déjà on va développer un peu plus le parc et au moins si ça y a des pétages de plomb, ce sera pas à côté quoi. Parce que là c'est un peu trop chargé je trouve. Ouais, à voir. Donc Ankylosaur va pas tarder à être fini. Non. En espérant qu'il n'y aura pas du genre ils vont s'énerver et que ça va tout péter parce que les raptors il y en a quand même 4 dedans. Les dilos bon, on devrait pas avoir de soucis hein, mais dans le... Un bout dans le doute. Et l'ankylosaure. Du coup, on va le laisser parce qu'on l'a pas encore eu.
J'aime bien ce dinosaure quand même. Vous avez fait un travail époustouflant. Prometteur récupère de la thune. Va falloir booster les ventes. Donner aux visiteurs ce qu'ils veulent. De la quantité et de la qualité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De la quantité. C'est pas vrai. On a un problème. Le réseau électrique est HS sur toute l'île. Il est temps de montrer ce qu'on sait faire. Ok, du coup. On active les protocoles d'urgence et on assure la sécurité des visiteurs. J'ai tout intérêt. Oui. Ici Lambert. On dirait que c'est une panne volontaire. Les sabotages? On a tout l'air. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Entre nos ennemis, nos rivaux et les escrocs, il y a le choix. Oui, c'est clair. Je vais essayer de dénicher des infos. Il me semble que j'ai trois. Mission sécurité, vous doit une fière chandelle. Mais bon, faut absolument réalimenter les raptors vu qu'ils ont une barrière renforcée électrique. Putain, le terrain il est vraiment nul à chier. Ça, pareil, si vous avez des petits tips pour ça, en vrai, je pense que je devrais mettre grave des sous de côté pour tout aplanir. Et que ce soit droit parce que. Voilà. Ok, empêcher toute coupure courant se produire. De toute façon, on vient de faire le plus cher. J'ai reçu un nouveau contrat et j'ai tout de suite pensé à vous. Eh ouais, c'est pour ça, moi. Ok, donc tout a été remis à niveau. Les raptors confort, ils vont tous bien. Il n'y a pas de pétage de plomb prévu. Bien, de toute façon, ils ont deux barrières à passer. Eux, bah, après, ils s'énervent pas trop. Donc, techniquement, ça devrait bien se passer. C'est ça que je veux. Ah. De toute façon, eux aussi, voilà, ils ont des barrières électriques renforcées. Eux, ils ont barrières électriques renforcées et barrières renforcées. Comme ça, au moins, s'ils pètent une barrière, j'ai le temps. Enfin, l'unité confinement a le temps d'arriver et de les endormir. Et je répare tout ça et les refaire et les remettre dedans. Quoi. Donc, voilà. Et ouais, comme ça, moi, je pourrais mettre une galerie pour les raptors, parce qu'ici, vous voyez, en fait, c'est tellement chargé, j'ai dû mettre une centrale électrique ici pour, justement, alimenter tout ça. Après, j'aurais pu la mettre là, mais ça ferait trop loin. Et là, j'ai préféré, je pense, la déménager dans cette zone-là ou ici. Enfin, dans une zone où... ouais, je pense dans un coin, comme ça, au moins, ici, pour pas... Même s'ils se barrent par là, il faudrait qu'ils fassent tout le tour... Ouais, je verrai, je mettrai peut-être des barrières exprès pour qu'ils se barrent trop non plus. Et d'abord, on va finir cette petite mission. On n'aura plus qu'à faire. Hop, hop, hop. Voilà, c'est la dernière mission de divertissement. Après, on a fini a priori. Après, il nous restera sécurité et science quoi. On va faire sécurité. Enfin, on va essayer de faire les deux. Science, c'est plus près, mais. On va accepter beaucoup de sécurité et beaucoup de science et il y aura un peu moins. Ah, encore une panne électrique. Panne électrique, hop. Je garde, ajouter une tâche. Ah, c'est celle-ci. Aucun problème. Ou c'est lesquelles qui sont pas alimentées, c'est celle-là. Ouais, ça devrait aller. Ah, aucune coupure de courant. Et merde, j'ai pas fait ça. En vrai, ça, je pense que je vais y virer parce que le courant, je peux pas trop en ce moment. C'est complexe. Du coup, docteur Jackal, modifier transfert à Ceratosaur. Non, je veux pas remettre un Cerato tout de suite. Je veux pas. Il y a déjà assez de prédateurs, entre guillemets, casse-couilles, surtout eux, là. Ok, c'est bon. L'électricité est revenue. Allez, encore une minute à tenir. Qui pète pas de câble en espérant qu'il n'y ait pas de tempête. Parce que ça a le don de beaucoup les énerver, les tempêtes. Donc, faut pas trop. Du coup, qu'est-ce qu'on allait gagner? Mission remède. Là, je sais pas trop ce qu'on va gagner. Rendement des fouilles, ça c'est pas mal. Là, il y aura ouais, baryonyx et centrale électrique moyenne. Ça va être bien ça. Parce qu'on va remplacer les petites par les moyennes et ça ira mieux après. On va pouvoir, enfin elles vont générer je crois deux fois plus de base et après on pourra mettre plus
On va pouvoir mettre voilà, la protection contre les coupures de courant, ça pourrait être pratique ça aussi. Non, avoir. Ouais. Essayer de faire ça. Là, ouais, faites passer visibilité des dinos. Pas encore pour tout de suite, je pense. Voir si on peut redemander un contrat. Attention. Contrat. Contrat dans moins d'une minute. On doit encore attendre dans 10 secondes. Bon, bah, a priori, ils vont pas s'énerver plus. Hein. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Cherche à boire, ouais, vous énervez pas. Hein. C'est bien. Et voilà. Ah. Hipstead désormais disponible. Nice. Comme vous vous en doutez, nous avons de nombreux ennemis. Des particuliers comme des sociétés. Des organisations prêtes à tout pour s'approprier nos connaissances et notre technologie. Tout le monde ne m'apprécie pas. On me trouve froid et dur, mais personne ne sait ce que moi je sais. Ce n'est pas ce que sait le docteur Wu qui me préoccupe, mais plutôt ce qu'il compte faire de ces informations. Si tu savais, Malcolm, si tu savais. Du coup, a priori, on n'a pas y cherché. La post-step est déjà, on l'a déjà inclus. Donc c'est pas mal. On n'aura pas de recherche à faire. On n'aura pas de recherche à faire sur ça en tout cas. Nouveau contrat, du coup, on a dit. Je m'occuperai volontiers de ce contrat si j'en avais le temps, mais ce Ajouter n'est pas le une cas. amélioration de En viabilité, revanche. 1.0, labo de création. Bon, ça va être fait en 2 secondes. 1.0. Ah bon, on va remettre à deux, hein, parce que bon. En construisant ces bâtiments, vous avez contribué à développer Ah! notre infrastructure. T'avais zappé, toi! Bravo. Ah, 4, population 8, idéal. Récompense de réputation comme ça, Oniatus, c'est une putain de blague. Faites sa mère. Qu'est-ce qu'on a débloqué? J'ai une autre proposition à vous faire. Enfin, cela relève plutôt Pas d'un maintenant, on va défi, la puisque faire dans si cette j'ai bien vidéo, on compris, n'est qu'à ça 12 rend mon minutes, mais on vaisseau. va d'abord s'occuper Ça me paraît bien de l'ankylosaure. Guère plus dangereux que nos recherches habituelles, docteur Malcolm. Hop, on Vous va devriez l'endormir. Du pourtant. coup, 1 à Oh, et 8. puis zut. Faites comme vous voulez, après tout. 1 à 8 en population idéale. Et eux, ils sont combien là-dedans? Ils sont beaucoup. 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7. Bah, avec lui, ça fera 8. Et bon, on va le mettre là-dedans. Non, ta 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 ta, je rigole. Attendre qu'il se réveille. Réveiller. Et on va voir s'il est bien ou pas avec eux. Ils sont pile 8 avec lui. Donc je pense que ce sera limite, il aura pas de compère par contre. Et je crois qu'il s'en fout. Crois qu'il s'en fout un peu qu'il n'y ait pas de compère. Marqué. La population, c'est. Est-ce que t'es mieux là? Il faut peut-être un peu plus de forêt, du coup on va t'en rajouter. Pac. Voilà. Et eux, ça les gêne ou pas? Plus de forêt, non. Les struchios, ils s'en foutent. Très bien. Et l'anki, du coup, est bien. Mais ouais, pas plus en population, hein, du coup. Ouais, 8. Et il peut être tout seul, mais je pense qu'on va. Ouais, ce qu'on va faire, j'aime pas quand ils sont tout seuls. C'est peut-être un jeu, mais c'est pas grave. Struccio, bam, on va en endormir un et on va en virer un, tout simplement. Hein. Ils seront 3 et 2, on va relancer du coup un ankylosaure. Peut-être pouvoir changer couleur. Non, on peut pas, donc, pas grave. Empêcher tout Voilà le une coup. bonne Non, occasion je de ne veux profiter. pas. Il m'emmerde avec cette mission à la con. Du coup, mission commencée. Et c'est Avez-vous parti. constaté que vous avez choisi d'ignorer les mises en garde du docteur Malcolm? J'ignore s'il est trop méfiant ou s'il cherche une excuse pour nous servir un de ces. Je vous l'avais bien dit. Quoi qu'il en Un soit, je crois diplodocus. qu'ensemble nous pouvons y arriver. Maladie contractée. Au CERN. De Bon, garde. comme je le disais, Hop. le parc va accueillir un animal malade Ah. et tout doit être prêt pour l'accueillir. Allez, mettons-nous au travail. J'ai bien entendu. Vous comptez faire venir un dino malade dans nos locaux? Je
J'espère que vous savez ce que vous faites, parce que moi, pas du tout. Ouais, 10 pouces, c'est quand même grand, hein. Comment on fait pour les courbes? Voilà. Aucun dinosaure malade identifié. Là, alors du coup, on va déboiser un peu pour regarder. Menace de dino. Ouais, ça juste. Déboisons, déboisons. Ouais, c'est quand même grand. Bon, c'est pas grave, c'est grand, mais c'est bien, c'est un diplo quand même, hein, faut se le dire. Menace de dino, mais oui. Calme-toi, petit sinocératops, hein. Par où? Bon, on va te vendre. Désolé, petit Struchio, mais il faut que l'ankylo ait un copa quand même. Hein. Il arrive dans 20 secondes, on va s'occuper de ça. Du coup, lui, il lui faut. Ouais, c'est. Enclos, hop, voir. Grand, on va en mettre deux. Je vais pouvoir mettre de l'eau. Non, je peux pas mettre d'eau. Ah, transporter. Néo, bam. Maladie contractée. Oh. Ah, mais c'est le diplo qui arrive. Okay. Accès à de l'eau. Ça veut pas. Bon bah du coup je fais ma petite déco roco et j'arrive tout de suite les amis. C'est bon, j'ai pu mettre de l'eau. Ça y est. Ah, cette galère, ça m'énerve ce petit bug que j'ai là de... Faut que je déco absolument donc... Mais c'est pas grave, on a réussi à mettre de l'eau. Alors, maladie inconnue. D'accord. Il faut examiner l'animal avant de pouvoir le soigner. Voyons si nous pouvons identifier le problème et l'isoler. Il paraît qu'on a un dinosaure malade dans le parc. Que le docteur Doua et vous essayez de le soigner. Ouais. Ça me plaît pas du tout, mais bon, on va pas demander mon avis. Alors, je me permets quand même de vous rappeler de le tenir à l'écart. Il se la tacagne. Histoire d'éviter toute contagion. À la prochaine île, les amis. Pour les gens qui aiment les défis, les gens comme vous, pas comme moi. Cet endroit est un vrai petit. Restons ici, on va finir ce qu'on a à faire là. On va attendre, hein, vous pouvez voir que ça charge. En remède. Hein. Ok, faut aller rechercher. Centre de recherche. Avant, est-ce que j'ai pas quelque chose pour améliorer la vitesse de recherche, à donc. Bon, c'est parti. 2 minutes. Du coup, on va aller le voir parce qu'on n'est pas allé le voir. Le Diplodocus, ah, il est quand même beau. Hein. J'aime bien moi les longs coups, les petits pieds. Je sais plus si c'est un diplo. T'inquiète pas mon pote, on va te soigner. Du coup, qu'est-ce que t'aimes exactement? Palustre. Ah, il manque un peu de forêt après. Mettre de la forêt. Ah, là, tant mieux, hein. Bah ouais. Ouais, je pense que je vais plus lui mettre de la forêt par ici que devant. Comment on pourra le voir là? Ouais, c'est bon, parfait comme ça. Où c'est que ça en est? C'est bientôt fini, on va se préparer, envoyer une équipe de garde. Faut qu'on lui fasse. Et ici, préparer une équipe de garde à envoyer directement soigner le père. Ok, let's go. Tempête tropicale. Ih.
Oh, tempête tropicale, ça veut dire que les raptors vont être énervés. Se préparer au pire. Ça se prépare au pire. Ils en sont. Avis de tempête. Très bien. Abri d'urgence, ouvrir tous les abris. Ah, encore un dinosaure. Métriacanthosaure. La vache, ça c'est un. C'est un carnivore, ça, les amis. Vite. Trop fort, ouais, ils sont plus confus là. Ils sont moins bien. Lui, il va commencer à taper, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hélicoptère. Carte, du coup. Pop, pop. Les triangles, on va le faire ici. Enclos, clôture renforcée, on fera après. Carte. Par là, le métrier. Par 2 minutes. Ok. On va lui virer de la forêt. Est-ce qu'on peut lui mettre de l'eau? Ouais. Bien. Mais quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on peut directement planir? Ça y est, je peux plus mettre de l'eau. Mon merde. On peut plus de ce jeu. On peut plus. Du coup, je vais reprendre tout de suite. Hop, c'est bon. Transférer le dinosaure. J'étais en train de faire entrer le l'ankylo dans son enclos parce que je l'avais encore oublié. Donc j'ai pu, voilà, remettre de l'eau avec ma petite décoroco. On va lui donner à manger. On va lui mettre ça, et on va lui mettre ceci. On va, hop, enclos, puis mettre ça ici. Et en fait, je pense que les enclos sont pas mal. Ici, de toute façon, je pourrais rien y faire parce que c'est pas bien fait. Bon, tu n'es pas pressé, Coco, là. Tu peux pas te grouiller pour que ton pote. Enfin, moi, ça éviterait en fait que les struchios ou autres aillent. Un Métria, putain, du coup ça fait plein de nouveaux dinos là. Et transfert à Dilophosaur. Non, j'ai pas envie. J'ai autre chose à faire là. Du coup lui, faudra voir ce qu'il veut exactement. Allez, petit ankylo, t'es pas pressé, hein. Vache. Le Métria est arrivé. Il lui faut plus de forêt au pépère. Forêt. Que ça te va, parfait. Ça y est, t'as enfin décidé à pas de bouger. Fermé. Du coup, je pense qu'en vrai, les ankylos, on les mettra avec le diplo plus tard. Ah ouais, du coup, ouais, il est aussi malade de la même maladie. Nice, allez, let's go. En vrai, une course contre nos collègues. Premier arrêt, le dernier arrivé, une petite bite. Je vous assure que c'est pour moi qu'il l'aurait, la petite bite. Ouais, faut faire gaffe quand même, c'est un Métria.
n'empêche, il démarre plus que moi. Le pré-shot. Calme-toi, Jaco. On va quand même sortir parce que... Pour éviter que Bucky s'énerve pour rien, quoi. Vous voyez, c'est toujours pas plat. Aïe, 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 like. Pas pour encore. Y aller, hein. C'est la folie, c'est la folie. C'est quoi qui est encore coupé? C'est quelle centrale? Pardon, pardon. Hop, on va aller voir ça, on va leur remplir la bouffe à ces cocos. Ouais, j'arrive au bon moment. Les cuisses sont à long quand même. Wesh, wesh les nains, wesh, allez salut. Plex, hein. Et hop là, voilà, je savais que le message allait arriver. Robert Finish. De recherche est désormais disponible. Oui. Nous pouvons non seulement leur redonner la vie, mais aussi la santé. Je viens de recevoir les derniers résultats du labo et notre dinosaure est guéri. Beau travail. Carte. Il te raconte aux heures. Ouais, lui, ça, toi, t'aimes bien être seul, a priori. Ah, deux, ah non, un, deux, population idéale, 18 ans, il accepte d'autres petits dinosaures. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, du coup, bah, on va endormir les ankylos et on va directement les envoyer avec le diplôme. Hein. Ankylosaur. Ankylosaur 1, Ankylosaur 2. Comme ça, au moins, on aura bien... Enfin, il sera pas tout seul, Pépère. Même s'il s'en fout, a priori, mais bon. Très bien, ça fera un peu de vie. Et lui... Carte. Bon, on pourra peut-être lui mettre les Proceratosaurus, quoi. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on les a gagnés? Ah non, ah non, on les a pas gagnés du coup. Ils sont là parce qu'ils doivent être là, d'accord. Tac, tac, tac. Du coup, pour eux, on a tout fini. Ils sont terminés. Terminés. Maintenant, bah, on va pouvoir s'attaquer à la sécurité. Et la sécurité, je ferai la vidéo quand on aura le Baryonyx. Là, je vais faire en off après et ce sera tout bon. Donc je vais transférer ça tout doux, je sais pas ce que je vais faire si je les si je lui rajoute les Proceratosaures ou Ah non, c'est vrai, il me semble qu'on avait gagné les Compsos. Non? Je sais plus. Attendez, attendez, attendez. Styracosaure. Ah, on n'a pas Styracosaure. Iguanodon. Waouh, on a gagné plein de dinos, attendez, j'avais pas vu ça. Un peu qu'on avait gagné les Compsos aussi. Alors je suis... Top. Iguanodon, Iguanodon. De recherche, assure. Ouais. Bon bah, c'est pas grave. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Du coup, il y a les ankylos qui vont arriver. Acceptez ce contrat. Ok. Hop, on va enclos, on va mettre pour petit herbivore, pour grand, hop, hop. Et après, moi, j'aménagerai ça en off aussi, le temps que tout se passe bien. Enfin, le temps que tout se fasse. Je bougerai les raptors aussi, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous montrerai tout ce que j'ai fait en off pour pas que vous perdiez le fil, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça nous ferait méga plaisir. Si vous aimez toujours autant la série, faites-le moi savoir en commentaire. Et on se dit à dimanche prochain ou plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Kai. Allez, bye bye. Bon, au final, ce sera dans cette vidéo. On va faire le Baryo parce que je viens de le terminer. Faire le Baryo. Il y a trois couleurs disponibles, mais on va déjà en faire un classique. Et en fait, on verra, je verrai en fonction de combien il est mettre. Du coup, voilà.
Je vais pas vous dire ce que j'ai fait de nouveau parce que bah, j'ai fait des choses nouvelles dans le parc. Hein. Mais bah, déjà, le spoil que vous allez voir, c'est que les raptors sont plus là. Du coup, je les ai déplacés. Et ça, vous les verrez dans la prochaine vidéo. Avant qu'on change d'île. Voilà, je vous tease un peu ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Donc, on va attendre que ça se fasse et on se reprend tout de suite après. Et voilà, vous êtes prêts, c'est parti. Hop, pardon. Baryonyx. Le vilain. Oh, le vilain. Dans les eaux peu profondes Alors, et on près va des eaux l'endormir. marécageuses. On pense qu'il se nourrissait de poissons, ce qui concorderait à Interaction, bon, il a pas l'air d'être vouloir pote avec groupe social 2 max. D'accord. Le 2 max, quoi. Comme le Métria. Il est foré un peu quand même. Et d'accord. Mettre un peu de. Ouais. J'aime bien en mettre au fond, comme ça en fait on peut bien le voir. Harry, ça devrait le faire. Bon, on lui a mis pas mal de flotte. C'est un barrio. Hein. Du coup, je sais pas si on va lui mettre un copain. On verra dans la prochaine vidéo. Déjà, lui, il est là. Ce sera déjà pas mal. C'est écroulé comme un caca. Hop, on va le déplacer. Le Baryonyx. Et maintenant, mais ce contrat a l'air important et mérite réflexion. Grâce à ce que je ferai. Bon bah voilà. En cours de transport. Aucun dinosaure malade